L'inacceptable, devenir un signe, n'être qu'un nom. Et cependant, toute activité publique, donc le simple fait de publier, travaille à faire de moi un nom, un signe. Toujours surgissante cette contradiction entre ce que je fais et ce que je fuis. J'avais cru d'abord, ou peut-être me l'avait-on mis en tête, que la signature m'apporterait l'identité. Or, ce fut le contraire. En voyant mon nom sur mes premiers livres, j'ai vu que j'avais produit là des objets qui n'avaient plus besoin de moi, et même vis-à-vis desquels j'étais maintenant en trop. Ils étaient finis. Ils me signifiaient l'inutilité du vivant et de ses désirs infinis par rapport à la stabilité de la bibliothèque, à sa durée. Me dire qu'ils y seraient oubliés ne changeait rien. L'oubli n'est pas la mort. Les livres vont au suspens de l'oubli, je vais à l'effacement de la mort. Dès lors, mais cela vient-il du fait que j'ai commencé à écrire tard, après avoir refoulé l'écrivain pendant longtemps, dès lors, j'ai vécu l'approche tantôt joyeuse et tantôt repoussée du double. La plupart du temps, je suis quelqu'un qui n'écrit pas, qui aime l'air du temps et les livres des autres. Puis, il arrive que je sois quelqu'un qui écrit, et avec une espèce de tension vers la fin de la chose qui a fait qu'en 12 ans, j'ai écrit une douzaine de livres courts. Entre celui qui a écrit ses livres et qui porte mon nom, et celui qui fait son possible pour être vivant et ne sent pas son nom, il y a une différence. Et je sais quel est tout mon problème dès qu'il s'agit de ma bibliographie. Je vis comme si ce qui est fait ne m'était rien, en tout cas ne m'était d'aucun secours dans le présent, aussi bien pour vivre que pour écrire. Sans doute, en écrivant, ai-je appris à écrire. Mais quand je commence à écrire, je ne sais toujours pas. Et il me semble toujours que cette fois-ci, je ne pourrai pas. Je devrais en profiter pour chasser l'écrivain au profit du vivant, mais le vivant serait paradoxalement frustré, car le vivant a besoin de l'écrivain pour un plaisir solitaire et violent, qui est la pensée. Du moins, le type de vivant que je suis a besoin d'écrire pour penser. Et cette façon de penser laisse les traces que l'on sait. Pourquoi les publier? Parce que j'ai commencé, et puis parce qu'il vaut tout de même mieux risquer son nom qu'engager tout son temps pour gagner de l'argent. Rien n'est pur, et surtout pas ce rapport à l'autre, qui est soi. Aussi, en regardant la liste de mes livres, je n'éprouve que gêne. Je suis celui qui vit et qui écrira encore, malgré ça, qui écrira à cause de l'insuffisance de ça par rapport à la tentation ambiguë de rejoindre en lui-même le mort qu'il est déjà pour renaître derrière lui. J'ai toujours rêvé de me voir de dos, comme si je pouvais voir ainsi s'éloigner de moi le mort que je suis. J'écris pour cette rencontre et pour lui échapper, car je sais bien que l'identité du vivant et de l'écrivain n'aura lieu qu'une fois, très exactement à l'instant de ma mort, car je mourrai à la fois dans mon corps et sous mon nom. En commençant, je voulais parler des livres que j'avais détruits et des livres dont il me semble que je dois les écrire. Ces livres se ressemblent, dans la mesure où les uns n'existent plus et les autres n'existent pas. Et sans doute, ces deux absences de sens contraires tracent-elles mieux que n'importe quoi la figure que je cherche, que je me cherche.